peut y arriver.
Lara, tu es là? Reyes, où es-tu? T'as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un son. Vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Moi, Reyes, mais c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Est-ce que c'est un problème électrique? Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah. Oh, oui, c'est Alicia. Alicia? C'est ma fille. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais voir ça. C'est un problème. Elle vient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi. Et commence à sortir de l'eau. Alors, je mets un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok. Faire une petite, s'il vous plaît. Séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien, vous lui ouvrez le ventre comme ça. Oui, mais il faut. C'est pas vrai. Coupez ! Coupez ! Coupez !
vais le chercher. Ce n'est qu'un poisson. Ça va aller, tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Ouais. Sans vous vexer. Le public veut voir quelque chose, Dr. Whitman. Vous le savez. Et en attendant de prouver le poids perdu, nous avons vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? Pensez au montage, vous aurez l'air d'un chef, vous verrez. Docteur Jessman, séquence 15, prise 4, action. Alors, le plus fermement, écoute, je vais comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouve pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me montrer dans ton pyjama à pingou. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier temps. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait pas. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara.
expédition. Malgré la perte de cargo provoquée par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Mathias nous libérera. De quoi ? De cette île ? Entraînement d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis nouveau. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Et pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui les perd-ils ? Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Thank you.
dessus. Merde. Bon. Alors il va falloir passer au plan B. Il va falloir brancher le moteur directement sur le panneau de base. Ok. Ça a l'air faisable. Ouais. Et il va